Légèrement penché, et Jean de Dame, avec le petit bout dur, tu vas taper tout simplement sur la deuxième. Alors, ça, c'est les Anglais ne connaissent pas le petit bout dur, parce que les Anglais ne sont pas comme les Français. Tu le prends, voilà, là, le petit bout dur, voilà. Et tu tapes tout cette. It's wonderful. And your full name, please? Ah. Oh. Un petit strip pour notre reine, Elisabeth. Pas bien dire comme ça. Merci à votre prénom. Et le grand. Voilà. Et un plus ici pour Monsieur Alexandre. Très historique, c'est vrai. Qui vous interprétez une estampille du 14e siècle? Merci, gentil seigneur, noble dame, et vous aussi les enfants sont. Tout à fait autre chose. Nous allons vous faire ouïr un fabliau. Savez-vous ce qu'est un fabliau? Hein? Non, point? On ne vous voit point. Ah si, ils sont là-bas. Oui, ils sont là-bas. Vous ne savez point ce que c'est un fabliau?
non sachant. Mal enseigné. Dieu vilain puant. Non, non, quand même pas, quand même pas. Non, non. Les Fabriots, ce sont des contes. Oui. Et celui nous raconte l'histoire de 15 côtes, notre tambourineur du temps qu'il estouait jeune ménestrel. Autant dire une légende. C'est une très très vieille histoire en tout cas, et elle commence ainsi. Seigneur, ce que veuille vous conter n'est point fable, mais vérité, grande merveille est arrivée, messire 15 côtes. Applaudisseries, on n'en a pas d'autres. On s'excuse. On a tout vendu le reste. Messire 15 côtes s'adresse à eux. Évêque, certes, ne suis point chenillé, mais vous surpasse de très loin. Les évêques sont donc tant pas ouvrés, bien croyez avoir trop parolé. Il est jusqu'à nous arrivé, du pape, doit être un familier, un frère, il y a une ressemblance. Hein. Messire 15 côtes s'adresse à eux. Papillon, certes ne suis point, mais vous surpasse de très loin. Le pape est tout en paouré. Bien croyez avoir trop coué. Ah, il y en a qui comprennent la langue d'oc, je suis rassuré, parce que on m'a dit ici on était en langue d'oc, qu'on n'allait rien comprendre à mes histoires. C'est bien, messire, il y en a un, mais au moins il y en a un qui suit, c'est très bien. Hein. Messire Cascotte s'adresse à eux. Certes, le grand Dieu ne suit point. Ah oh. Mais je le surpasse de très loin. Mais, dit le pape, je sais fort bien qu'en dessus Dieu, il n'y a rien. Messire 15 côtes l'a regardé, dedans les yeux, et répliqué. C'est grande sagesse. Tu parles bien. Car justement, qui suis-je? Alors, ce que je disais tout à l'heure sur les vieilles archets s'applique aussi sur les joueurs de sazou. Certes. Voilà. Peut-être que sur les chanteuses, ça ne s'applique pas, parce qu'elles ne s'accordent pas. Ne l'écoutez point, les digamenteries. Allons-y. Si j'en veux boire, si j'en veux boire, à vous. C'est parfait. Pour la messe seulement. Parfait, parfait. On vous rappelle, c'est une chanson à boire, hein. C'est pas une chanson de messe. Voilà. Ce qu'on espère, c'est que le vin ne soit pas un vin de messe, un peu trop sucré non voilà, plus. Hein. Voilà, donc, voilà. N'hésitez pas à y aller un peu plus. Quoi, hein. Sinon, c'est ça. Alors, si la marotte qui est là, de verte couleur, se mettait à hurler autre chose, ou même, oui, Robin dit le bio. Pourquoi voilà. N'hésitez pas à continuer. C'est tout se ne passe bien. Ne cessez point. À la fin, on se retrouvera à trois voix, comme on le chantait à notre époque, quoi. Hein. Ce sera une grande merveille. Si chante de père, à trois voix. Frange de Permettez-moi, je vous en prie, de vous présenter celui, celui dont toutes, elles parlent tant bien. Voici venir, messieurs. Ouais je ne vois pas, c'est mauvais. Là. Ça marche pas. Il y a un grand vent qui vient d'où Il vient de là-bas. Ah bon? Il vient de vers messieurs Jean-Michel. Attends, j'ai mieux. Il faudrait quelque chose d'énorme pour arrêter le vent. C'est beau. Mon fusard, peut-être. Tu n'as rien de plus énorme, Marotte. On va faire avec ça. Alors fais attention, voilà, le vent vient là. Attention tes cheveux, Marotte, aussi. Hein. Attention. On dirait que j'ai le faux fusard. Mec, ça prend pas vite. Mais ce que je peux. Ça a pris, Marotte, ça a pris. Amen. Et avec nous, c'est nous rassure. Amen. 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 Amen
Cela n'est rien. J'ai beaucoup plus dur le derrière de vrai. Mais moins dangereux, j'en ai moins l'utilité. De toute façon, je fais ce que je veux. Amen. À la prime. Amen. Ça suffit. À la seconde. Et là. Amen. Ouais. Et à là. Amen. Et à là. Amen. Ouais. C'est ridicule. Ah, cela est trop petit flamèche, je ne peux pas continuer ainsi. Bien, les enfants, sont, avant de faire le final, je vous laisse aller voir la suite avec le vrai spectacle de feu. Quoi ? Je vais vous demander de fermer les yeux et de mettre la main partout sur les yeux fermés. Pendant toute la durée du spectacle. Non, non, non. Juste le temps de souffler les torchettes. Il peut y avoir des petites gouttelettes d'acide qui vont volter dans l'air, ce ne sont pas des feux follets. Non, du sol, ça pique les yeux. Donc, faut bien faire ce que je dis. Je le dis surtout pour les enfants sont mal, ils sont là. Les mamans derrière, les là aussi. Les mamans m'ont parlé. Les enfants sont mal. Il faut toujours secouer les torchettes. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sinon on met des gouttes partout. Les mamans m'ont comprise. Je vous explique. Bien. Allez, fermez bien les yeux, je vais secouer les torchettes. C'est un peu violent comme image pour un enfant son âge. Ça y est, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est bon. Ça secoue. Allez, que l'on fasse grande fête, on est belle jonglerie. On a dit de la jonglerie, messieurs, hein, pas de la tournerie. Allez, allez, allez. On l'encourage. Puisque maintenant nous allons aller dans l'ancienne basse-cour du Castel où nous allons retrouver une surprise qui n'était pas prévue avec guerre et chevalerie, eux ils nous viennent d'Alsace. Et ensuite nous aurons le spectacle de feu avec donc une compagnie qui nous vient de Provence Côte d'Azur. Vous voyez que finalement la France est représentée ce soir. La bonne nuitée.